Eh bien, Rebels Game, l'un des favorites de cette deuxième épreuve, qui est exact rendez-vous. Ricky, c'est vrai que c'était un engagement, on le voyait bien placé, de façon à ce qu'on sentait qu'il pouvait lead l'épreuve, ce qu'il a fait avec brio, on peut dire. Oui, il fait une très belle course. Je pense qu'il fallait oublier sa dernière course. Pas très bien piloté, disons. Vous savez, on a essayé, il a gagné sur 1600 mètres. On a essayé, allez, un peu plus, sur 1500 mètres, je crois qu'il a gagné cette année. On a essayé 1800 mètres parce qu'il donne l'impression qu'il va tenir la distance. Mais à chaque fois, il se fait rattraper dans les derniers 50, 60 mètres. Donc, on l'a ramené sur 1600 mètres et une belle victoire aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il donne un petit coup de rein à l'entrée du virage qui fait peut-être la différence, Ricky. Oui, c'est un cheval qui a un bon pas. C'est un cheval, comme vous savez, j'ai déjà dit, il a eu beaucoup d'ennuis. Il s'était fracturé les vertèbres de son garrot. Il a pris du temps à venir en forme. Et c'est un cheval, quand la lisse est à l'extérieur, quand il y a des false rails à 2 ou 3 mètres, il est bien meilleur que quand le tournant est serré. Il se débalance très vite, il n'est pas aussi efficace. Tandis que là, il peut vraiment s'exprimer. Et il a montré aujourd'hui, par exemple. C'est un cheval qui est bien mieux quand les false rails sont en dehors. Alors, on est à mi-saison, Ricky. Si, rapidement, à chaud comme ça, on vous demande de faire un bilan, vous direz lequel ? Écoutez, le premier quart de la saison, on a eu un run exceptionnel. On a ralenti un peu, on a eu pas mal de malchance avec des chevaux qui sont blessés, comme Vigilante, comme Elite Class, etc. Les nouveaux ont pris du temps pour arriver en forme. Ils ont eu des petits pépins, mais enfin, je pense que là, tout est bien pour qu'on fasse une belle fin de saison, quoi. Bien, merci Ricky, bravo pour cette belle victoire de Rebels Game, sa deuxième de la saison, qui est exacte au rendez-vous dans cette deuxième épreuve. C'est à vous, messieurs.